Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer Brutal Legend et donc avec des missions, comme vous le savez. Qu'est-ce que ces mecs foutent là? Ils veulent nous aider. Ils ont des remords. Ok, mais je pourrais pas tout le temps les tenir par la main. T'as compris? Parce que leurs mains sont trop grosses. T'es prêt à voir le mur des hurlements? Ah bah ouais. Ok, fais gaffe aux éboulements. Et aux mouettes. Aux mouettes. Monsieur Higgs, je voulais vous remercier pour cette opportunité. Pas de problème. On veut juste être utile. Ok, donc c'est pas ici. Je crois que ça doit être là-dedans. Bon bah on va y aller, hein. On va continuer tranquillement notre petit périple. Oh merde, c'est quoi ça? Imbécile! Voilà ce qui arrive quand on veut marcher sur de la lave. Surtout avec trois tonnes de lac. On est prêt à se jeter dans la bataille, monsieur Rick. Vous voyez? Aucun problème. On l'a fait. On a marché sur le feu. Je suis invincible. Allez, tous les massacrer. Ok, serre les poings. Ok, mec, on y va. T'as vu ça, Eddie? T'as vu comment j'ai cogné? Eddie! Joli! Continuez à cogner! Bouge pas, Heidi! Allez, faut aller là-bas, les gars! Putain, il me reste plus qu'à Rudy! Bon allez, faut tous les massacrer, les petits. Oui. Sauve la vie. Bougez pas. La lumière, trouvez-la. Vous, vous êtes ma garde personnelle, d'accord? C'est bon. On couvre le boss. Non, on peut vraiment plus. Hein. Ok. Vous êtes là. Écoutez, je regrette de vous avoir viré et d'avoir dit que vous aviez une surcharge pondérale. Le muscle est plus lourd que la graisse, vous savez. Revenez avec moi, on oublie tout. J'ai des uniformes amincissants pour vous tous. Ça, sérieux? On s'en fout, on est videur pour les métalleux maintenant. Balancez-moi. Si vous le prenez comme ça, mais je vous préviens. Vous feriez mieux de déguerpir avant de comprendre pourquoi c'est... Ignorez-le, les gars! Le mur des hurlements. Ça roule. On va leur montrer ce qu'on a dans le bide. Allez, on y va, les gars. Et brille ces nouveaux uniformes. Hé, hey, toi! Sérieux, les gars? Ouais, défendez cette position! Venez là! On va devoir y aller au fur et à mesure. Merde. Ce que j'ai encore fait. On va faire un boucan à réveiller les morts. J'aurais peut-être dû utiliser ça en fait. Après les calmer un moment. Ça a l'air génial. Je reviendrai voir ça quand j'aurai fini ma... Ok, donc ici il y a quelque chose à faire. Je pense que ça doit être par ici, non?
Ok, les gars, vous voulez être utile? Ok, est-ce que vous pouvez faire ça? Super, venez par ici. Je reviens tout de suite. Je suis utile. Eddie! Oh my god, ça va chier. Ok, faites gaffe avec ça, ça fait un vieux Larsen de malade. Et soulevez avec les genoux, pas avec le dos. C'est bon? Ok, on sort d'ici. Donc faut retourner de l'autre côté. Ok, bon bah on y va hein. Vous pouvez virer ces piafs? J'aime pas beaucoup ça. Faut qu'on arrive à se débarrasser de ces piafs. Vous avez entendu ça? C'est parti. C'était un Larsen. Très dangereux, on joue pas avec ça. On verra ce que ça va donner. Allez, on y va. Tout ce que vous croisez dans cette direction doit crever. Suivez-moi et gardez l'œil ouvert. Et parti sourd. Aussi le faire, je suis un pro. Et paf, t'es sourd. Oh yeah. Bon, allez là. On y va, les gars. On se dépêche. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Bah, je voulais m'assurer que tu reviennes ici avant que ton mec soit jaloux. Oh, dis pas de bêtises. Bah, c'est plutôt évident que t'aimes Lars. Bien sûr que je l'aime. C'est un mec génial. Un leader charismatique. Altruiste. Héroïque. Et plutôt beau garçon, en plus. Son torse... Oh merde. Mais comme un frère pour moi. Ah bah pas mal celle-là. Lars il va être deg. Bon bah voilà, Victor Butel. Ça t'embête si on rentre séparément? Je crois pas qu'on ait besoin de Rago en ce moment. Je sens que ça va être notre petite amie, celle-ci. Oh oh. Bon allez, je propose qu'on fait encore une mission. Non, c'est bon, on n'a pas d'autres missions de secondaire de toute façon. Donc, c'est bon. Oh, yeah. Destroy Mobile. Oh yeah. Attendez, je crois que j'ai vu quelque chose. Alors, j'ai normalement été me renseigner. Ok, voilà. Bon, c'est bien ce que je pensais. Donc on m'avait indiqué, donc je remercie Farage et Gildarz de m'avoir indiqué ceci. Donc je leur fais une petite dédicace au niveau de cette vidéo. Parce que j'avais essayé une fois dans une vidéo, mais ça ne fonctionnait pas. Ou alors c'était parce que j'étais peut-être trop loin, je sais pas. Donc nous continuerons à essayer de voir si on pourra choper ces fameux dragons. Bon là, bon, on a notre premier dragon, je sais, au bout de la 11e vidéo, je sais.
Allez, on y va. Bon. Je rote carrément. Ok, vous êtes prêts, les gars? Ouais, depuis une heure. Et toi? Carrément que je suis prêt. Amenez l'empaleur. Pour commencer, on va défoncer la tour. Redis laquelle c'est? Je voudrais pas attaquer la mauvaise et finir empalé. Cette tour, là-bas. Oh mais, comment t'as fait ça? Je suis pas trop sûr. On bouge. On va aller les secouer un peu par là. Ah, j'ai bossé avec des bons releases. Mais vous, vous savez vraiment vous rendre invisible. On vous voit carrément pas venir. Ah oui, oui. Voilà ce que j'appelle une attaque. Mettez-le en miettes. Ça arrivait jamais. Ophelia commandait. J'ai pas compris ce que j'avais fait là. Carrément que je suis prêt. Amenez l'empaleur. Ok, bon, je me suis fait. Pour commencer, on va défoncer la tour. Redis laquelle c'est. Je voudrais pas attaquer la mauvaise et finir empalé. Cette tour, là-bas. Oh mais, comment t'as fait ça? Je suis pas trop sûr. On bouge. On va aller les secouer un peu par là. Ah, j'ai bossé avec des bons releases. Mais vous, vous savez vraiment vous rendre invisible. On vous voit carrément pas venir. Ah oui, oui. Voilà ce que j'appelle une attaque. Mettez-le en miettes. Est-ce que j'étais trop près? D'accord. Serial killer de tour. Bon bah je sais que ils sont plus invisibles. Comment ça fout ces trucs sur les murs? Et merde. Bon, on peut peut-être passer discrètement tous ensemble. Moi aussi je savais passer inaperçu avant. Ah ouais. T'as qu'à sauter sur le stack pour voir si tu t'émerdes encore. T'as vu? J'ai toujours rasé les murs avec les rollies. Ok, c'est parti. Merci. D'accord. Allons faire saigner les tympans, vieux. C'est pas bon, ça. Y a pas de fondation sur ce truc. Va falloir trouver... On dirait que ce truc contrôle les empaleurs sur les murs. Non, tu crois? Eh, ça va. C'est la première fois que je viens ici, ok? Mec, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes autant. Bon boulot. Tu sais, c'est pas que je manque de volume. Claire, t'as carrément du volume. Merci. Ah bah voilà. Ok, il est temps d'attaquer la prochaine tour. Chapeau. Pour l'instant, je veux que les Rodins avancent seuls. Les autres, attendez qu'ils aient démoli la tour. Ça se passe par là-bas. Non, que les Rodins. Bon bah c'est pas grave, hein, on avait dit que le Rodil, mais bon. J'ai un bon pressentiment pour cette bataille. Quelle mélodie émouvante. Ah, elle est bouillante. Faut que j'attende qu'elle refroidisse. Je voudrais grimper pour voir les environs. Crois que la bataille... Vitez-les tous. Allez-y. Bon, oh, mais non, mais ils me disent d'aller vers les trucs là. D'accord, joli bug. Bon, on va reprendre certainement au début, je suppose. Il est temps d'attaquer la prochaine tour. Alors. Pour l'instant, je veux que les Rodis avancent seuls. Les autres, attendez qu'ils aient démoli la tour. Fermez-la une seconde et ouvrez grand les cages à miel. Va vers les Rodins. Monte sur le stack avec ta droite, vieux. Ok, à vous de jouer, les gars.
Bougez plus. Ok, à vous de jouer, les gars. Ok, à vous de jouer, les gars. Suivez-moi. Oui. On va faire ça. Écoutez-moi une seconde. Okay. Bon, je vais rassembler une unité spéciale. Ok, tout le monde m'écoute. Non. Oh punaise. Ça arrivait jamais. J'ai un peu de mal, je vous avoue, j'ai un peu de mal. Il est temps d'attaquer la prochaine tour. Il faut mes roadies. Mais si on faisait cracher ses amplis. Pour l'instant, je veux que les Roddies avancent seuls. Ok, à vous de jouer, les gars. Ok, à vous de jouer, les gars. Je veux que vous alliez vers la balise, compris ? Voilà. Chopons ces mecs. Bon, bah là, ils vont la détruire tranquille. Occupons-nous des larves de l'aigle. Mais quoi de faire? Occupons-nous des larves de l'aigle. Merde. Ok, c'était le dernier. Faites du bruit pour les Roddies. On y va. Posez le matos là. Hé, regardez la banderole. Je crois qu'ils savent qu'on arrive. Oh, faut qu'on détruise ce truc. Ça briserait le cœur de Lars. Et tu comptes garder ce plaisir pour toi toute seule? Ils me font pas confiance. Ils pensent que je suis une buveuse de larmes. Et pourquoi ils pensent ça? Parce que mes parents ont combattu dans la révolte des larmes noires. C'était il y a longtemps, mais rien à faire. Personne ne me fera plus jamais confiance. Quoi que je fasse pour notre cause. Maintenant que tu sais, toi aussi tu vas me lâcher. C'est faux. Alors ils vont te monter contre moi. Tiens. Mon père m'a donné ça. Il a dit que c'était à ma mère. C'est le seul souvenir que j'ai d'elle. Je te fais confiance, tu vois? Pour de vrai? Pour de vrai? Quelle est cette trahison? Moi seul tuerai Lion White aujourd'hui. Moi seul. Ok. Bah ça, ce sera pour un prochain épisode que nous verrons justement Lion White. Certainement, peut-être. Ah, il nous demande d'étendue d'embuscade. Bon, c'est qu'une mission, donc c'est pas encore trop grave. Donc voilà, les amis, on se retrouvera donc très prochainement pour une nouvelle vidéo ici dans Brutal Legend. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous.